Nous sommes réunis aujourd'hui, CRS et l'APIX, dans le cadre d'un partenariat qui a démarré depuis un certain temps. Donc, c'est toujours dans cette initiative-là que nous poursuivons ce partenariat-là. Donc, aujourd'hui, nous avons convié les journalistes pour un peu échanger sur le conflit et la cohésion sociale. Donc, l'objectif de cette formation, c'est d'échanger avec les journalistes pour voir un peu par rapport à ce contexte particulier de la Casamance, quelle attitude, quel message ces journalistes doivent communiquer avec les communautés. Et même aussi, dans le même sillage, nous avons des élections qui arrivent bientôt. Nous allons entrer dans la phase de la campagne électorale. Et nous savons que depuis ces quelques années, notre pays est souvent dans des tensions entre les différents prétendants au fauteuil de présidentiel. Donc, c'est toujours dans ce même siège que nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on discute avec les journalistes pour un peu harmoniser ensemble avec eux sur des messages, sur comment nous devons communiquer pour vraiment préserver la cohésion sociale ici en Casamance, mais aussi à travers le pays. Le thème de l'atelier, c'est partage d'expérience sur le conflit et la cohésion sociale. Je pense que l'élément fondamental, c'est la cohésion sociale. Pour comprendre la cohésion sociale, il faudrait quand même que nous comprenions un peu le conflit. Et nous avons ciblé deux exercices. Le premier exercice, que l'on appelle la métaphore du feu. Donc, en regardant un peu, du début jusqu'à la fin, ça nous permettra un peu d'analyser la dynamique d'un conflit. Et par rapport à cette dynamique, il y a eu des exercices, il y a des actes qui ont été posés. Et ça va nous permettre, nous, de voir, en tant que journalistes, voilà, le conflit, c'est comme ça qu'il se crée. Et c'est comme ça, voilà, les différentes étapes. Et à chaque étape, comment, si on doit réagir, comment on doit réagir. Et par rapport à l'exercice concernant l'œuf, nous avons demandé aux différents groupes qui ont eu chacun 3 œufs de bien protéger les œufs, de sorte que si on laisse tomber les œufs, que les œufs ne se cassent pas. Cet exercice vise vraiment à faire comprendre aux journalistes que la paix est fragile. La paix est très fragile. Et si on ne la protège pas bien, on risque d'amener un conflit. Et c'est ça l'objectif final de ces deux exercices. Nous avons mis en place cette formation parce qu'on sait que nous allons vers une campagne présidentielle, une campagne électorale pour la présidentielle de 2024. Et comme vous le savez, les médias jouent un rôle essentiel dans la cohésion sociale, mais également dans la consolidation de la paix. Vu que nous sommes en Casamance et c'est une zone de conflit, il est bon d'échanger avec les journalistes pour qu'ils puissent savoir comment ils peuvent utiliser certains mots pour pouvoir véritablement apaiser le climat durant les élections. Donc je pense que c'est la principale raison qui nous a incité à faire cette formation-là autour de la consolidation de la paix, mais également de la cohésion sociale avec l'Association des professionnels de l'information et de la communication APIC de la région de Ziguinchor. Nous apprécions à sa juste valeur cette collaboration qui nous lie avec CRS. Parce que vous savez, c'est depuis en 2023 qu'un partenariat lie l'Association des professionnels de l'information et de la communication, APIC Ziguinchor et le CRS. Depuis là, nous continuons à cette formation, ce partenariat qui nous a permis aujourd'hui d'être là pour encadrer, former nos confrères et nos consoeurs dans le cadre de la couverture, couverture électorale de la présidentielle de 2024 qui arrive en bon moment. Donc nous pensons que cette formation va permettre d'outiller les journalistes que nous sommes, de savoir comment couvrir véritablement cette élection présidentielle qui arrive dans un contexte particulier. Et aussi, nous sommes en Casamance.
dans un milieu qui est différent aussi des autres régions. Donc nous pensons que le fait d'outiller les journalistes comment couvrir en tout cas cette élection présidentielle, de les renforcer. C'est un renforcement de capacité, je vous le dis, si je peux m'exprimer ainsi, renforcer la capacité des confrères et des consoeurs de la région de Ziguinchor. Donc nous, nous sommes satisfaits en tout cas de ce partenariat qui vraiment nous jugeons que c'est bénéfique pour l'ensemble des membres de l'association des professeurs de l'information et de la communication de Ziguinchor.